suis en classe de 5e de l'école Avenir Plus. Ma mère s'appelle Magetou et mon père s'appelle Valkamio. J'avais 4 ans. Mon père a quitté ma mère pour aller chercher du travail pour construire mon esprit, notre école. J'aime bien l'école Avenir Plus. Avenir Plus a un très bon projet. J'ai 15 ans. Salut, chers camarades, que vous qui êtes dans l'école Notre-Dame Sainte Ave, je salue beaucoup M. André et M. Jean-Pierre. J'aimerais bien que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour former l'école. Et aussi, merci d'avoir nous aidés. Je suis élève en classe de 4e. J'habite à Sanikarabou, près de l'école Sainte. Mon père s'appelle Babou Kergué, ma mère s'appelle Yassine Sek. Quand je suis grand, mon souhait, c'est être un ingénieur. J'aimerais aider ma mère, mon père et mes petites soeurs et mes frères. Bonjour, chers camarades du collège Notre-Dame, avocat pour défendre. Celle-ci est une restauratrice. Quand j'ai en place de toi, j'aimerais bien être la première de notre centre parce que c'est une école qui m'a beaucoup. Quand il vient ici, les gens font quelque chose, mais il comprend les gens parce que nous sommes des enfants. Pour moi, c'est quelqu'un de compréhensif et bien. Moi, je considère que cette école, dans l'avenir, on pouvait changer cette école pour prendre aussi un autre terrain parce que ici, c'est une maison qu'on a louée et cette fin de mois, c'est difficile. Il faut fabriquer un autre, ça, c'est plus intéressant. Je suis Ibrahim Assar, le fondateur de l'école Avenir Plus. À l'occasion de ce sommet, si on, le directeur du collège Notre-Dame, c'est si pioté. Les professeurs, et remercier encore les professeurs et les élèves qui ont participé des actions de la solidarité en faveur de notre école, l'école Avenir Plus de Mour. Et je vous rappelle que l'argent que vous collectez en faveur de l'école est destiné uniquement pour les élèves qui nous viennent ici de faire des cours gratuits à l'Université André au fond de nos cœurs. Et tous les enseignants, tous les professeurs et directeurs de l'école de Notre-Dame. Pour vous donner un cas, l'enseignement privé occupe une place importante dans l'enseignement du Sénégal. Par exemple, préscolaire, l'enseignement privé occupe 50%. Élémentaire, l'enseignement privé occupe 14%. Moyen et secondaire, entre 18 et 20%. Aussi, nous disons que le taux d'analphabétisme au Sénégal autour de 50-60 000 enfants du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans éduquer ses enfants. L'école, c'est le développement d'un pays. Finalement, c'est tout court, sans encore de revenir sur nos remerciements. En mission, comme vous l'avez vu, nous avons loué les bâtiments pendant des années, pendant 300 maintenant. Nous voulons encore construire notre propre.